Viennent-tu juste de se marier ou de se faire greffer ensemble? Ah, ça te réjouit pas de voir Steph aussi heureuse, là? C'est mon 5e mariage l'été, je commence à être vidée de ma réjouissance. Moi, je trouve ça encourageant de voir le monde qu'on connaît tomber en amour. C'est comme si on allait être les prochaines. On est les prochaines. Il reste juste nous. Je voulais juste te parler de ça, Annie. Me parler de quoi, Franny? De tout ça. Du Annie et Franny pour la vie. Ça joue pas en notre faveur. Pour rencontrer des gars, tu veux dire? Ding, ding, ding! En groupe, c'était correct, mais juste entre nous. Y a pas des gens qui t'appellent Anne, des fois? Non. Ça te tenterait pas qu'ils commencent à t'appeler de même? Non, Anne, ça fait trop sérieux. Là. Ça fait Anne Frank. Qui c'est qui voudrait dater Anne Frank? C'est ben trop déprimant. OK, regarde ce qu'on va faire. Je vais m'appeler Fran, même si j'aime pas ça. Ouais. À condition que t'arrêtes de dire à tout le monde que t'es vierge. Mais je suis vierge. Je le sais. Tout le monde le sait. C'est genre ton thing. Non, c'est pas mon thing, c'est juste un fait. OK. D'abord, pourquoi tu te sens obligée de le mentionner chaque fois qu'on rencontre quelqu'un? Parce que... il y a beaucoup de gars qui trippent pas là-dessus. Oh, come on, les gars trippent sur les vierges. Non. Ils aiment l'idée de coucher avec une vierge. Mais c'est comme s'ils allaient dans un resto vegan pour manger un steak. Allô, c'est vegan. Ben moi, allô, je suis vierge. Le problème, c'est quand tu dis que t'es vierge, ça me fait passer pour une slut. C'est le condom de fait. J'ai juste couché avec 3 gars. Du mariage. OK, fine. Quand on va être ensemble, je dirais pas que je suis vierge. Puis moi, je vais être rare. T'attends-tu qu'on essaye ici? Avec qui? Comment, ne sois pas pessimiste, là. Qu'est-ce que tu penses des deux gars assis à table là-bas? Ils ont pas de plus one, pis ils sont cute. Ouais, ils sont quand même cute. Ils nous checkent-tu? He's French. Mmh.